Bonjour à tous, parlons d'Europe animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui des fêtes de fin d'année dans les régions de Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne et du Latium en Italie avec Daniel Kerskes, étudiant en licence droit allemand, droit français à l'Université François Rabelais de Tours et volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Tours, et Dario Fiorucci, volontaire en service volontaire européen à la Maison de l'Europe de Tours. Bonjour Daniel, bonjour Dario. Bonjour. Daniel, vous êtes allemand et vous venez de Rhénanie du Nord-Westphalie, proche des Pays-Bas. Comment préparez-vous les fêtes de fin d'année dans votre région ? Donc, tout commence avec l'ouverture des marchés de Noël en Allemagne, en fin de novembre. C'est alors le moment où l'ambiance commence à s'installer dans les villes allemandes, dans les grandes et aussi dans les petites. Et à la maison, on commence par la couronne de l'Advent, qui s'appelle Adventskranz en allemand. La couronne de l'Advent, c'est une tradition issue de l'Allemagne. Et pour la faire, on utilise des branches de sapin et 4 bougies qui sont traditionnellement rouges et grandes. Et aussi d'autres décorations selon les goûts. Les 4 bougies symbolisent les 4 semaines avant Noël. Et chaque dimanche, on va allumer une bougie et à la fin, on va avoir 4 bougies qui sont allumées. Le 24 décembre, c'est traditionnellement le jour où les enfants reçoivent les cadeaux. Donc le soir, il est temps de dire pour les enfants d'entrer dans la salle où se trouve le sapin de Noël, parce que c'est le Christkind qui va arriver et qui va nous apporter des cadeaux. Donc contrairement en France, c'est pas le Père Noël qui va nous apporter des cadeaux, mais le Christkind, qui est l'enfant Jésus. Donc c'est Jésus même qui va nous apporter les cadeaux. Et le 25 et 26, on va traditionnellement manger chez la famille. Et vous, Dario, comment ça se passe dans le Latium ? Je pense que dans le Latium, c'est un peu comme les restes d'Italie ont fait pour ce qui concerne l'organisation de fêtes de la fin de l'année. Et les différences sont surtout pour la nourriture et pour la gastronomie. Et pour nous, là, on peut dire que la période de Noël commence avec la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, qui pour nous, en Italie, c'est un jour férié. Pas comme en France. Et après, le 24 décembre, nous avons un grand dîner avec la famille. Et le 25 aussi, encore, nous avons le déjeuner avec la famille. Et le 26 aussi, c'est un jour férié pour nous, Saint-Étienne. Quelles sont les traditions religieuses dans vos régions respectives ? Daniel, peut-être ? Alors, Daniel, je crois que vous êtes la région de Rhénanie du Nord-Westphalie et de religion réformée, protestante réformée. Oui, c'est ça. Quelles sont vos traditions ? Donc là, je vais encore parler un peu de la couronne de l'Advent parce que c'est vraiment une chose de l'Église réformée. C'était un pasteur protestant qui a initié cette tradition-là pour le temps avant Noël. Donc, le temps avant Noël, c'est avant tout une période d'attente et de joie. Les chrétiens vont alors se mettre dans l'ambiance pour les fêtes et de l'arrivée de Jésus. C'est aussi avec le premier dimanche de l'Advent que commence la nouvelle année pour l'Église réformée, donc. C'est vraiment chose spéciale. Et vous, Dario, alors l'Italie est catholique. Quelles sont vos traditions religieuses ? Bon, nous avons encore la messe de minuit, par exemple, le 24. Donc, après les dîners, tout le monde va à la messe. Naturellement, si tu es religieux, sinon, c'est pas le cas. C'est vraiment à minuit. Oui, c'est vraiment à minuit. Et après, bon, aussi la messe le 25. Et, par exemple, beaucoup de familles encore respectent la nourriture, on peut dire, selon la religion. Par exemple, le 24, c'est la vieille. Donc, on mange les poissons. Et le 25, c'est pour la viande. C'est ça. Donc, vous avez aussi, je crois, des crèches, non, dans vos églises ? Oui, la crèche, c'est pas seulement dans l'église, aussi dans les maisons. Il y a encore des familles qui font la crèche et aussi la crèche vivante dans certains villages, dans certaines villes. Donc, on peut trouver vraiment tous les personnages de la nativité. Et, bon, c'est ça. Avec les animaux ? Oui, avec les animaux, parfois, oui. Merci de nous retrouver après la pause. RCF, Bénédicte Draillard.
Chers amis auditeurs, pour fêter la nativité ensemble, je vous donne rendez-vous la nuit de Noël de 20h à 21h30 pour une veillée simple et joyeuse autour de chants, de contes et de paroles d'espérance. Et bien sûr, j'attends vos appels pour nous souhaiter les uns les autres un joyeux Noël à travers les ondes. Je vous donne rendez-vous le 24 décembre à 20h avec grande joie. Un Noël sur RCF, la joie d'être ensemble. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui sont les fêtes de fin d'année en Rhénanie du Nord-Westphalie, région du nord-ouest de l'Allemagne, et dans le Latium, région au centre-ouest de l'Italie, avec Daniel et Dario, respectivement allemand et italien. Alors, Daniel, Dario, quelles sont les traditions gastronomiques et profanes des fêtes de fin d'année dans vos régions ? Bon, alors, en Italie, par exemple, dans où j'habite, nous avons un gâteau qui s'appelle le macaroni doux au noir. Et ça, c'est un dessert typique de Noël. On peut le manger de la veille de Noël jusqu'à le 6 janvier, donc pendant toutes les vacances de Noël. Et il s'agit de normales pâtes pressées comme une sorte de timbale. Et qui sont consommés de pâtes. Oui, de pâtes. Okay. D'accord. De pâtes. Qui sont pressés comme. Oui, comme un timbal de pâtes, je ne sais pas. Ah, une timbale. D'accord. Timbal. Pardon. Désolée. Et habituellement, c'est un dessert qui est consommé froid. Et bon, on peut le préparer avec, même si le nom c'est macaroni au noir, on peut le préparer avec de différents types de pâtes. Mmh. Et après la cuisson, les pâtes sont assaisonnées avec, je ne sais pas, avec la cannelle, avec le sucre, avec le cacao. Et parfois aussi du rhum, mais ça dépend. La recette traditionnelle, c'est avec le cacao, la cannelle et le sucre, c'est ça. Donc c'est un dessert ou un plat plutôt sucré-salé C'est plutôt sucré, pas trop salé. D'accord, c'est plutôt bon. Sucré. Oui, c'est un peu lourd, parce que naturellement, ça se sent de pâte. Ouais. Mais c'est vraiment bon. Moi, d'accord. J'adore. Avez-vous d'autres traditions gastronomiques ou d'autres traditions plus profanes que les traditions religieuses? Je pense pour la fin de l'année, pour les derniers jours de l'année surtout. Par exemple, on mange à minuit. C'est obligatoire en Italie, c'est pour avoir ça la chance. Ça. Oui. Il faut manger le cotechino, qui c'est une saucisse cuite. En fait, c'est l'épée du cochon, avec le lentille. Ça, parce que pour avoir de l'argent, les lentilles sont associées avec l'argent. Et aussi manger des raisins ou les riz, pour la même chose. Parce que ce sont des choses qui apportent l'argent. Et après, aussi pour la dernière journée de l'année, il faut porter des sous-vêtements rouges pour avoir très de original. La chance. Oui. Pour avoir de la chance. Oui. Éviter aussi de manger les crustacés comme par exemple le crabe et l'homard parce qu'ils marchent à l'arrière. Donc pour la nouvelle année, il faut se projeter vers l'avenir. Et aussi éviter la volaille pour éviter de faire envoler la chance. En effet, c'est très intéressant. Ce sont beaucoup de plats qu'en France, nous mangeons régulièrement pour la fin de l'année. Donc, à savoir qu'en Italie, on ne trouvera ni homard, ni crabe, ni volaille au réveillon. Traditionnellement, c'est comme ça. Traditionnellement, voilà. Après, chacun l'interprète. Et vous, Daniel, en Rhénanie du Nord-Westphalie, avez-vous des traditions gastronomiques ou d'autres traditions? Je vais vous parler plutôt de choses sucrées parce qu'on a beaucoup de choses sucrées. Et commençons par le Christstollen, qui est aussi appelé Weihnachtsstollen ou simplement Stollen. C'est un gâteau traditionnel allemand dont l'origine est très ancienne. Il s'agit là d'un pain aux fruits secs et confits, farci et avec de pâtes d'amande. Très bon, hein? Oui, mais vous trouvez ça aussi en France, je pense. Oui. Oui. Après, on a le Printen, qui est aujourd'hui l'emblème du marché de Noël d'Aix-la-Chapelle. C'est une spécialité culinaire aixoise qui possède aussi une appellation d'origine contrôlée. Mmh. La texture, c'est un peu plus dure et il y a plusieurs épices et aussi du sucre candi. Alors, le printen, c'est un pain, c'est un gâteau? Oui, ça en sort d'un pain, oui. Mmh. C'est une petite chose. D'accord. Et après, on a aussi le Lebkuchen, qui est aussi un pain d'épices auquel on ajoute parfois les amandes, mais c'est plus doux et mou que le printen. Donc, les lèvres couronnes, ça peut être de formes variées,
des pains d'épices et ça peut être aussi recouvert de chocolat, je crois, oui, hein, ou d'un glaçage. Ça. Oui, vous avez raison. Oui, c'est ça. D'accord. Et après, on a aussi le spéculoos. Mais le spéculoos allemand est un peu différent du spéculoos français parce qu'on a plusieurs épices qui ont ajouté. Et en Allemagne, on le mange aussi avec le pain noir allemand, qui est un pain qui a un goût sucré, mais qui n'a pas vraiment du sucre ajouté. Donc, c'est très bon. On ajoute alors un peu de beurre sur le pain, et puis un spéculoos, et puis on le mange. Donc, ça fait un petit peu du sucré, parce que finalement, le pain aussi est sucré. Oui, mais c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, chacun d'entre vous, peut-être une légende ou un conte de votre région qui serait lié aux fêtes de fin d'année? Dario, peut-être? Bah, bon, ça, c'est pas seulement de ma région, c'est en général un peu partout en Italie, c'est la Befana. La Befana. Parce qu'en Italie, bon, nous avons aussi les Pères Noël, mais traditionnellement, c'est la Befana qui a apporté des cadeaux aux enfants sages, pas les Pères Noël. Donc, ça, c'est pour le 6 de janvier. Et elle est une vieille sorcière qui voyage sur un balai, et elle apporte des cadeaux, donc il faut mettre une petite chaussette sur le chemin pour avoir les cadeaux et tout ça. Et si l'enfant n'était pas sage, il va recevoir du charbon. Mais aujourd'hui, c'est du charbon sucré. Ah. Ça veut dire c'est un gâteau, c'est quelque chose à manger. C'est pas le vrai charbon. C'est pas le vrai charbon. Et vous, Daniel? Oui, c'est le 6 décembre que l'on fête le Saint-Nicolas, qui est un saint d'originaire de la Turquie. Il vient de la Myra, c'est une ville en Turquie. C'est aussi un saint important pour l'église orthodoxe. Selon l'histoire, il arrive sur un cheval avec un sac de cadeaux. Mais avant la distribution des cadeaux, il va prendre son livre d'or et son livre noir. Dans le livre d'or, il y a tous les noms des enfants qui ont été sages, donc c'est un peu comme la Befana. Et dans le livre noir, il y a tous les noms des enfants qui n'ont pas été sages. Donc, si votre nom figure dans le livre noir, vous ne allez pas recevoir des cadeaux. Donc, le Saint-Nicolas est aussi accompagné par l'incorporation du mal, alors du diable apprivoisé. C'est une personne qui est enchaînée et qui doit faire un peu peur aux enfants pour les montrer que les actes malveillants ne finissent pas bien. C'est aussi un outil pédagogique en Allemagne un peu. Mais il ne faut pas confondre le Saint-Nicolas avec le Sinterklaas des Pays-Bas, parce qu'ils ont une chose pareille. C'est de la version néerlandaise alors. Mais pour lui, il arrive le 6 décembre avec un bateau venant d'Espagne. Il arrive au port des Pays-Bas, et chaque année, c'est un autre port. Et après, il va prendre son cheval pour la distribution des cadeaux. Lui ici, il est accompagné d'une personne qui s'appelle le Pit. Donc, c'est un peu comme le diable enchaîné en Allemagne. Merci Dario, merci Daniel d'avoir partagé avec nous un peu de votre culture. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct.